Ce matin, nous avons rendez-vous avec Julie Ferrier devant ce grand théâtre parisien. Jump, bébé, jump. Regarde, je vais. Julie voue à sa grand-mère, qui a été comédienne, une véritable passion. Alors quand on lui a proposé la pièce « L'amour, la mort, les fringues », où jouent plusieurs générations d'actrices, elle n'a pas dit non. En murmurant les yeux mi-clos, je te fais un plan Basic Instinct. Autour de Julie, des comédiennes de tous les âges, de Françoise Fabian à Alexandra Lamy. L'intrigue parle des rapports parfois compliqués des femmes entre elles, et notamment des grand-mères avec leurs petites filles. Tu es mieux que Julie. Tu as du charme. Julie est une enfant de la balle. Si elle se retrouve parmi les stars du spectacle, c'est parce qu'elle a voulu faire le même métier que sa grand-mère. Pour lui rendre hommage, elle porte même son nom. De porter son nom, oui, moi je suis hyper fière. Hyper fière, ouais, carrément. Il m'appelait... Oui. Moi, je suis fière. Et je pense que si elle était là, je pourrais avoir pas mal le trac, être pas mal traqueuse, ouais. Pour... voilà, j'aimerais être bien à la hauteur, quoi. Ce soir, Julie ne jouera pas devant sa grand-mère, car celle qu'elle appelait Mambelle a disparu il y a 12 ans. Mais Mambelle gardera toujours une place dans son cœur. Pour Julie, les grand-mères ont un rôle essentiel. Elles détiennent la vérité, elles ont vécu, elles ont tellement de choses qu'on n'a pas. Elles savent tellement de... Donc, je leur dirais de continuer à partager avec leurs enfants et leurs petits-enfants la vie, quoi. Je pense que Mambelle, si elle s'est aussi longtemps accrochée à la vie, c'est parce que c'était aussi pour partager avec nous. Le partage et l'amour. Qui veut des bisous? Moi! Qui veut des bisous? Les grand-mères n'ont jamais été aussi importantes. Elles jouent souvent les chefs de clan et transmettent des valeurs essentielles entre les générations. C'est pas qu'on se verrait pas, mais peut-être qu'on prendrait moins le temps et on serait pas comme on est maintenant, quoi. Heureusement qu'elle est là. Parmi ces nouvelles héroïnes, vous découvrirez Mamika et Martine. Deux grand-mères qui partagent leur vie et leurs passions artistiques avec leurs petits-enfants. Moi, je suis fière d'elle. Merci, ma poule. C'était très bien. Vous ferez aussi la connaissance de Jeanne, prête à tout pour le bonheur de sa grande tribu. Ouais. Je suis vraiment contente. Ah, il m'a entendue quand je lui ai dit l'amour. Ah, mais oui, c'est mon ami qui a dit l'amour. Enfin, vous suivrez Monique, une mamie au grand cœur qui a choisi d'accueillir Eric, un petit Congolais venu en France se faire opérer du cœur. C'est toi qui fais un bisou, c'est moi. Et toi? Ça n'a pas été trop difficile. On va essayer effectivement de s'en occuper comme même nos petits-enfants. Qui sont ces femmes qui assument avec fierté leur rôle de grand-mère? Comment sont-elles perçues? Bah moi, c'est ma force. Hein. Ça fait partie de moi entièrement, quoi. Quel est le secret de ces mamies extraordinaires? Plonger dans le monde de celles qui n'ont jamais été aussi modernes et indispensables à leurs petits-enfants. Ça va être chouette. Alors j'aime dit ça, c'est les fleurs du jardin, font un peu la gueule. Lesquelles? Bah mon jardin. Oui. Ce matin, Julie Ferrier a décidé de nous faire visiter la maison de sa grand-mère adorée. Wow. C'est dans ce pavillon de banlieue parisienne que Mambelle a passé les 20 dernières années de sa vie. Oui, je veux bien, volontiers. Pour accueillir Julie, son oncle Laurent, le fils de Mambelle. Depuis une dizaine d'années, c'est lui qui habite cette maison. Ici, pour Julie, chaque pièce est associée à des moments partagés avec sa grand-mère. Moi, je me vois avec Mambelle, donc ma grand-mère, 4 ans, en train... Il y avait Singing the Rain, elle était là. Et moi, j'étais comme ça, genre... Singing, je faisais des roues. Et Mambelle, alors, ça ne la dérangeait pas du tout. Elle était là, oh ma chérie. Alors qu'elle aurait pu me dire, s'il te plaît, tu es un petit peu devant l'écran. Si tu pouvais un petit peu te pousser, des fois. Non, elle adore. Elle adore te voir faire des roues. Vraiment, on était toutes les deux. J'avais 4 ans, 5 ans. Et voilà, c'était la fête, quoi. Alors, lui, toi, t'as trouvé des photos. Moi, j'ai Mambelle, là, déjà. La grand-mère, la fameuse grand-mère. Voilà. Mambelle, la voici. Un exemple pour Julie. Issue d'une famille de comédiens, elle aussi finit par monter sur les planches. En pleine carrière, elle rencontre son mari. Avec lui, elle décide de fonder une grande famille. Elle aura 11 enfants qui lui donneront 33 petits-enfants. Pour sa petite-fille Julie,
Mambelle restera à jamais une femme hors du commun. Mambelle, bah oui, Mambelle. Mambelle, elle était... C'était marrant parce que c'était paradoxal, parce qu'à la fin de sa vie, elle a été quand même un petit peu handicapée physiquement, mais jamais mentalement. Et toujours, cet entrain quand même, moi j'ai toujours trouvé... Non, c'est ça qu'il y avait, qu'il y avait d'extraordinaire chez elle, c'est malgré tout, malgré la souffrance, malgré tout, elle a toujours été un moteur incroyable pour tout, pour tout. Même pour l'argent, alors qu'elle n'en avait pas. Elle, si tu étais dans la merde, elle se démerdait pour trouver du fric. Dans la tendresse, dans l'attention, dans l'écoute. Attends Devenue comédienne à succès, Julie éprouve une éternelle reconnaissance envers Mambelle. Sa grand-mère l'a toujours encouragée à aller au bout de ses rêves. C'était une grande passionnée. Ce qu'elle a donné, c'est la liberté d'être et de faire ce que tu veux, parce que ça sera bon pour toi. Et très jeune, ce que Julie a voulu faire, c'était de la danse et du théâtre. Tout ça avait commencé en vacances quand elle se produisait avec ses cousins devant sa grand-mère. On faisait des spectacles l'été. Et on conviait tout le monde. Alors il fallait que les gens... On faisait même des entr'actes avec pop-corn, machin et tout. Donc les parents étaient en bas. Et ça faisait comme une espèce de scène, un escalier monumental. Il y avait Mambelle. Mais Mambelle, elle adorait. Elle s'était à la rigueur, elle devait s'asseoir la première, quoi. Elle aimait beaucoup ça. Ah bah elle, c'était son régal, quoi. C'était sa vie. C'était sa vie de les voir tous dans comme ça, aussi à l'aise dans le spectacle et aussi déjantés. Ah, ça, c'était son bonheur, quoi. Puis tant qu'on riait, c'était bon, quoi. Il faut dire que c'était un peu tendu, quand même. Mais non. De ses premiers pas sur la scène improvisée de la maison familiale. Mon verbe est fatigué. Jusqu'à ses succès sur les planches des théâtres parisiens, Mambelle a toujours été la confidente et la conseillère de Julie. Et moi, je me rappelle quand j'étais jeune, elle me disait ne te fasse. Parce qu'elle voyait que je partais sur les chapeaux de roue, que j'étais là, ya ya ya. Tu vois, je commençais à voyager partout, j'avais 18 ans. Je dansais, machin, nanana. Et elle me disait, te fatigue pas trop, ma chérie. Hein, ne te... Et moi, je te la mais t'inquiète, Mambelle, t'inquiète. Et maintenant, des fois, je suis là, Mambelle, putain, j'en peux plus. Et oui, elle avait raison. Mais il y a quelque chose qui pourrait me faire chialer là maintenant, parce que en fait, j'ai jamais réalisé ça. En fait, Mambelle, je crois qu'elle ne m'a jamais vu jouer dans un film. Non, jamais. C'est sûr, même. Grâce à Mambelle, en tout cas, dans la famille de Julie Ferrier, on est artiste reconnu de génération en génération. Au revoir, mon Lolo. Et merci, hein. Mais il n'y a pas que les grands-mères d'artistes qui tentent de transmettre leur vocation à leurs petits-enfants. Dans le sud de la France, sur les bords de l'étang de Berre. Cette jeune grand-mère de 58 ans, c'est Martine. Elle adore chanter, en voiture, chez elle ou encore sur scène. Mais sa vraie passion, c'est sa petite fille. Je vais chercher ma petite fille à l'école, comme tous les vendredis. En plus, aujourd'hui, c'est un vendredi particulier, c'est les vacances. Je ne peux pas imaginer ma vie sans mes petits-enfants, quoi. Je ne pourrais pas partir habiter à l'autre bout du monde, non. Martine a deux petites filles, mais avec l'aînée, Adeline, elle a vraiment développé une relation fusionnelle. Ah là, voilà. Bonjour ma poule. Adeline, la voilà. À 10 ans, elle est en CM2. Elle est ravie que sa grand-mère vienne la chercher à la sortie de l'école, car elle partage avec elle la même passion pour la chanson. Et ce qu'elle préfère, c'est chanter en duo avec elle. Je ne regarde plus en bas, tout est si loin déjà. Chaque vendredi soir, en arrivant chez Martine, c'est le même rituel. Bon, allez, on y va, Adeline, il est 6h moins 20. On va répéter ? Ouais. T'es prête ? Allez, on y va. Si elle répète chaque semaine, c'est parce que Martine et Adeline se produisent régulièrement en spectacle dans leur région. Dans 3 jours, c'est dans une maison de retraite qu'elles doivent assurer un show. Donc on commence par ce que tu as dit, attention mesdames et messieurs, après on va leur faire un petit peu la java bleue. Puisque... Tu la prenais pas, moi. Mais non, mais moi je la ferai. Alors comme des professionnelles, elles choisissent leur répertoire.
Alors on commence. On commence par Armstrong parce que ça fait un bail que je ne l'ai pas fait. Ça fait un bail. Armstrong, je ne suis pas noir. Je suis blanc de peau. Quand on veut chanter l'espoir, quel manque de peau. Ah, mais tu vois, tu ne l'as pas oublié celle-là. J'oubliais, là. Quel âge t'avais quand tu l'as chanté pour la première fois? J'avais 3 ans, c'était pour quand on a fait le repas de famille. Voilà. Depuis, la petite Adeline n'a plus lâché le micro, toujours en compagnie de sa grand-mère. De l'Amérique, l'Amérique, si c'est un rêve. Pour Martine, c'est son rêve d'enfant qui se réalise à travers sa petite fille. Elle a toujours eu envie de chanter, mais ce n'est qu'à 50 ans qu'elle a enfin osé se lancer. Adeline, elle a attrapé le virus de mamie. C'est pas que je veux qu'elle fasse ça parce que j'ai pas pu le faire, mais elle partage la passion que j'avais quand j'étais enfant. Et elle, elle a la possibilité de le faire. En l'emmenant avec elle dans ces galas, Martine offre à sa petite fille ses premiers pas dans le monde du spectacle. Je le saurai, l'Amérique, l'Amérique, si c'est un rêve, je le saurai. On s'est un petit peu trompé. Hein. Ah, c'est pas grave. Le duo n'est pas tout à fait au point. Cela fait des mois qu'elles n'ont pas donné de spectacle. Elles n'ont plus que 2 jours pour revoir leur répertoire. Mélange de styles et de générations. J'aime tout ce qui est variété française. Je chante des années 30, aussi bien Froufrou, Le Petit Vin Blanc, La Java Bleue, que des chansons de 2010. Mes copines, elles disent que ça fait bizarre qu'à mon âge, je connais par cœur Claude François, des années 30, tout ça. Qui sont seuls, allez, venez. Pour Adeline et sa grand-mère, chanter, c'est avant tout l'occasion de partager. Laissez faire l'insouciance à deux. C'est parti pour Grégoire, l'une des révélations du moment. Tout est possible, tout est réalisable. Entre-temps, Isabelle est arrivée. Elle vient chercher sa fille Adeline. Mais quand elles sont lancées, personne ne peut arrêter les deux chanteuses. Et entrez dans la danse, allez, venez, et entrez dans la danse. Et alors, on n'applaudit pas? J'applaudis toujours. Tu m'écoutes, chérie? Ouais. Samedi, faut qu'on se fasse un planning de ministre. Je viens te chercher à 9h30 chez toi. Les jours qui viennent, Martine et Adeline vont devoir enchaîner les répétitions pour être prêtes et les séances de shopping pour trouver leur tenue de scène. Allez, à demain. Au revoir, ma poule. Une préparation que Martine va devoir concilier avec ses horaires de travail. Est-ce que tu as froid? Mais parfois, la passion de l'art permet aux grands-mères et à leurs petits-enfants de ne plus se quitter. Normalement, c'est une petite laine, mais aujourd'hui, c'est une cape, ouais. Aujourd'hui, quand on a froid et quand on est un super-héros, on a une cape et on peut avoir un chapeau. Séance de maquillage, cape de super-héros. Bienvenue dans le monde de Super Mamika. Un univers fantasque créé par Sacha, un photographe professionnel. Il a fait de Frédérica, alias Mamika, sa grand-mère d'origine hongroise, son modèle favori. Elle est très, très, très professionnelle. Qu'est-ce que je suis? Professionnelle, très professionnelle. Sauf quand tu bouges, quand on fait le maquillage. Ah bon? Elle pose, elle est patiente, elle propose des choses, elle comprend tout de suite ce qu'il faut faire. Enfin, c'est... Et à chaque fois, elle en fait, elle arrive à avoir des degrés, vous savez, quand encore on... Encore 2 minutes et je ne veux pas rentrer dans mes chaussures. On a pris des chaussures très larges. Ah, d'accord. L'aventure de cet étonnant duo a commencé il y a 6 ans. Les photos de Sacha, au départ publiées sur Internet, remportent un tel succès qu'un livre est édité. Mais tout ça n'aurait pas pu arriver sans une étonnante relation entre petit-fils et grand-mère. Et c'est vrai qu'on a toujours eu une espèce de complicité incroyable, mais ça me semble difficile de ne pas être complice de cette dame. C'est un personnage exceptionnel, c'est une des raisons pour lesquelles je voulais faire et les expos et les livres qu'on est en train de faire. C'est que j'avais envie qu'il y ait plein de gens qui soient au courant à quel point elle est incroyable. C'est pas une étoile, c'est un truc plus, c'est comme un masque. D'un côté. Entre Sacha et sa grand-mère, beaucoup de tendresse et surtout le même sens de l'humour, parfois un peu décalé. Cette petite tête, on dirait une fleur. J'ai remarqué ta barbe. On dirait une fleur. On dirait une barbe.
Oui. Vous avez des conversations lunaires souvent comme ça? Oui. On est capable. On est de toute façon, c'est une... Enfin, moi, on fait pas des chats avec des chiens. Hein. Je suis un descendant direct de cette dame. Donc, parfois, ça donne des conversations un peu. Chez nous, on dit meshugé. Meshugé, c'est du yiddish, ça veut dire un peu fou. Un peu gâteux. Non, pas gâteux. Alors maintenant, c'est lui qui me donne les leçons ce que ça veut dire meshugé en yiddish. Et c'est tout mieux d'ailleurs, ça c'est typiquement. C'est tout mieux, c'est vrai. Ah, et c'est tout mieux. On dit Dieu c'est tout, mamie c'est tout mieux. C'est vrai ou pas? Qu'on dit ça? Dieu c'est tout, mamie c'est tout mieux. Oui, naturellement. Oui. Pourquoi vous acceptez comme ça d'être maquillée et, pour faire plaisir à Sacha. Je suis comme toutes les grand-mères, gâteuse devant les petits-fils. Sacha, mais viens vite! Tu vas pas me reconnaître. Ah, t'es bien. Ah oui, Dark Mamika. On va y aller, on va commencer, oui. Faire des photos. On va faire des photos? Non. Bon, alors j'ai le temps de rester. Alors, on y va? Frédérica transformée en Super Mamika, la séance peut commencer. L'occasion une fois encore pour la grand-mère et son petit-fils de partager des moments de complicité. T'as pris de la tête, hein? T'as pris une grosse tête un peu, non? On est parti. L'histoire, mamie, c'est que tu regardes ici, comme ça. Ouais. C'est ça, pas sympathique. Mamika fait tout pour plaire à Sacha. Belle cette photo. Encore, fais-moi un vrai sourire. Un vrai sourire. Ouais. Comme, à moi. Mais c'est parfois un peu fatigant quand on a 92 ans. On arrête, c'est bon. C'était dur? Parfois, je vais trop loin. C'est-à-dire que parfois, c'est trop dur. En même temps, d'être là tous les jours, s'en occuper, de l'engueuler, ça maintient en vie. Si Sacha, le photographe professionnel, prend parfois le pas sur Sacha, le petit-fils, c'est parce que leur aventure artistique est devenue une chose très sérieuse. Les photos de Mamika sont de plus en plus souvent publiées dans les magazines. Et aujourd'hui, elle s'expose même régulièrement dans des galeries d'art. Nous sommes dans le 5e arrondissement de Paris, celui des galeries. Ce matin, Mamika se rend dans cette exposition qui lui est entièrement consacrée et Sacha fait le guide. T'as vu comme c'est beau quand c'est étiré en grand? C'est laquelle t'as préférée? Moi j'hésite. Ah, moi j'adore celle-là. Bien, la photo était très difficile pour moi de faire cette photo. Pourquoi? Parce que c'est très difficile de voler comme ça. Pourquoi j'accepte? Peut-être je l'accepte tout ça parce que ça m'amuse. Et c'est ce plaisir quotidien partagé qui nourrit l'amour que porte Sacha à sa grand-mère. Mais avant tout, cette vieille dame est un modèle pour lui. Ma grand-mère, avant d'être un modèle de photo, ça a toujours été, en tout cas pour moi, un modèle dans la vie à presque tous les points de vue. Ça, c'est magnifique ce que tu dis. De toute façon, quoi qu'il arrive, moi, voilà, elle est là, je la garde, il n'y en aura pas d'autres. Qu'est-ce que... Moi, je prends tout, les bonnes et les mauvaises choses. Ta grand-mère est à toi? Ouais, à moi. Ah bon? Ouais. Et Mamika n'est pas prête de quitter le haut de l'affiche. Le public a complètement craqué pour cette incroyable grand-mère. Ouais. Parce que là, tu vois, en fait, moi, ce qu'on s'était dit avec Hélène, c'est que là, on mettait un grand tirage. Aurélie, la galériste, a même décidé de proposer une nouvelle exposition dans quelques mois. Les gens adorent et ça parle à toutes les générations. Et je pense que si le rendu est aussi réussi et parle autant au public, aux acheteurs, c'est aussi parce que la force qui se dégage des photographies vient de la force du lien qu'il y a entre Sacha et Mamika. Si Sacha a toujours été fascinée par sa grand-mère, c'est aussi parce qu'elle a eu une vie incroyable. Juive hongroise, elle fuit d'abord le communisme, puis le nazisme, emmenant avec elle sa famille ainsi qu'11 autres personnes. Elle se réfugie alors en Suisse, puis en France, où elle devient styliste. Elle ne s'arrêtera de travailler qu'à 80 ans. C'est à ce moment que Sacha a décidé d'en faire sa muse. On a toujours fait des choses ensemble, depuis que je suis tout petit. Enfin, c'est pas un truc qui est né. Tout ce qui nous arrive là et tout ce qu'on fait, rien n'a été réfléchi. Mais c'est vrai que quand on a fait ça, c'était surtout pour être ensemble. Quand j'avais votre âge, le mot qui m'a
donner des chairs de poule, c'était le mot trop tard. C'est un horrible mot. Parce que si c'est trop tard, on a raté quelque chose. Ouais. Avec ces photos, Sacha n'a pas seulement occupé la retraite de sa grand-mère. Il lui a offert une deuxième vie. Une vie où elle est devenue un véritable personnage avec un public qu'il aime. De quoi laisser une trace par-delà les années. Moi, j'avais envie de rendre ma grand-mère immortelle. Voilà, c'est ça la phrase. Je voulais rendre ma grand-mère immortelle. Et ça fait des années que je me dis, qu'est-ce qui va se passer quand elle va disparaître? Ça va être terrible. Et j'avais envie que cette dame-là, elle reste là pour toujours. Et c'est vrai que les livres, même si ça se détruit, c'est quand même une trace. C'est pas gravé dans le marbre, mais ça reste une trace indélébile. Et même le jour où elle aura disparu, il y aura beaucoup de gens qui auront vu et qui auront encore en leur possession des livres. Et ma grand-mère sera toujours là. Voilà. Tu m'as jamais dit ça? Non. Ça me fait plaisir, mais ça me fait quelque part soucieux. Parce que comme je vais mourir bientôt, parce que je suis très vieille. Elle dit ça depuis 10 ans. Hein. Je suis très vieille. Alors il va subir ma perte bientôt. Forcément. C'est normal. C'est ça la norme des choses. Et c'est pour ça que j'aimerais qu'il se marie. Pour Frédérica, la grand-mère de Sacha, l'important a toujours été de transmettre la vie. Aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, un petit matin d'hiver. Monique est une jeune retraitée. Avec son mari Vincent, elle s'est levée aux aurores pour accueillir un passager très spécial qui arrive du Congo. Alors, Brazzaville, oh là là, posé, quelle porte ? À 62 ans, Monique n'est pas une grand-mère comme les autres. Malgré ses 8 petits-enfants, elle a décidé de s'occuper en plus d'un enfant malade pour lui donner une chance de survie. On attend un petit garçon qui arrive du Congo. Moi, je me suis toujours dit que si un de mes petits-enfants avait été très malade et qu'une famille puisse aider à ce qu'il soit sauvé ou à ce qu'il aille mieux, c'est fabuleux, quoi. C'est impressionnant. C'est l'association La Chaîne de l'Espoir qui a confié cet enfant à Monique et Vincent. Âgé de 4 ans, le petit Eric est atteint d'une malformation cardiaque. Il sera opéré à Paris dans 10 jours. En attendant, cette grand-mère va prendre soin de son cœur malade. On va le récupérer aux deux œufs. Pas la peine qu'on va se faire tout ça à pied, on n'a pas de poussette, on n'a rien. Oui, mais sinon on le portera, pas ça. On verra, c'est quand même des opérations à risque et on sait qu'il y a quand même des possibilités que ça ne se passe pas bien. L'enfant pourrait ne pas survivre à cette opération. Une éventualité que Monique refuse d'envisager. C'est ici ? On n'a plus qu'à attendre. Mais pour l'instant, sa seule préoccupation, c'est de réussir sa rencontre avec Eric. On a juste une petite photo. Il est superbe, un petit garçon qui a l'air très beau. On va découvrir ce petit garçon, mais par contre, on va essayer effectivement de s'en occuper comme un de nos petits-enfants. Dernière minute d'attente, et enfin, les portes s'ouvrent. Voilà, coucou. Oh là là, il a l'air tout tristoune. Assis sur son chariot du haut de ses 4 ans, le petit bonhomme a l'air perdu. Bonjour. Bonjour Eric. Bonjour Eric. Oh là là. T'as l'air d'avoir peur. C'est Monique, chez Et toi, tu t'appelles comment? Ce sont des bénévoles de la chaîne de l'Espoir qui ont conduit Eric de sa famille au Congo à sa famille d'accueil française. Et alors, il a dormi ou pas? Il a dormi tout le temps. Ah, mais c'est bien. Il n'a rien mangé. Enfin, non, il n'a pas voulu. Ouais. De chocolat. Même si Eric parle français, il reste muet. Pour venir en France, il a quitté ses parents et son village. Ici, tout lui est inconnu, jusqu'au climat. Mais en bonne grand-mère, Monique a tout prévu. Donc on a apporté une écharpe, on a apporté un bonnet. Voilà. Et puis il a des affaires, ou pas? Ça, c'est à lui. Oui, t'as ta valise, Eric. Mais pour faire connaissance, rien ne vaut un bisou. On se fait un bisou? Tu me fais un bisou ou je te fais un bisou? C'est toi qui fais un bisou, c'est moi. C'est toi? Ça peut être trop difficile. Ouais. Tu vas être bien, là, tu vas voir. Hein? Ouais. Mais dis donc, t'as une super voiture, en plus. Un baiser, un doigt concert, le premier contact est établi. À cause de son cœur malade, c'est sur le chariot à bagages qu'Eric part avec sa famille d'accueil.
Monique est consciente que pour un petit garçon de son âge, c'est une terrible épreuve. Alors elle multiplie les paroles et les gestes d'affection. Est-ce que tu sais où tu es ? Hein ? On est à Paris. Premier moment. Hein ? Alors on se demande un tout petit peu ce qu'il peut, tout ce qu'il y a dans sa tête, ouais, tout ce à quoi il pense. Quand même, hein, aussi, hein. Il n'a pas l'air trop affolé, mais bon, il a besoin de, d'attention et de caresse. Hein. Malgré toutes les petites attentions de Monique et Vincent, Eric est complètement déboussolé. Hein, regarde ça, un petit pompon, ça va être beau. Oh, dis donc, bravo, tu as pu avoir froid. Hein ? Et puis une petite écharpe, on met aussi ? Oh là là, non, tu vois, là, je pense que... Non, mon petit bonhomme, t'es enrhumé ? Ou t'es un petit peu triste ? Hein ? Hein ? Voilà, bon, on va aller en voiture. On va faire un gros câlin en voiture. Hein ? On va aller à la maison. Hein ? En grand-mère aguerrie, Monique sent monter la crise de larmes. Elle va tout faire pour réconforter le petit garçon. Je vais me mettre à côté de toi, d'accord ? Hein ? Regarde, tu vas t'installer là. Voilà, mon petit bonhomme. Voilà. On va mettre la ceinture, hein ? D'accord ? Attends, on va ouvrir un peu ça. Hein ? Tu vas être bien. Mais je me suis mise à l'arrière parce que c'est vraiment important qu'on fasse connaissance aussi déjà comme ça. Hein, parce qu'il a l'air quand même un peu tout perdu et tout triste. Je pense qu'il a sommeil d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il va s'endormir. T'aimes bien téléphoner ? Tout à l'heure, on essaie de téléphoner à maman. Hein ? Comment elle s'appelle, maman, déjà ? Comment elle s'appelle, maman ? Non, j'ai pas bien entendu. Hein ? Maman parfaite. Maman parfaite, voilà les seuls mots qu'Éric prononcera dans la voiture. Oh là là, regarde où tu vas habiter un petit peu. Hein ? Oh là là, là, on a l'air un peu inquiet quand même. Nous sommes à Fresnes, dans le Val-de-Marne. C'est dans ce pavillon qu'habitent Monique et Vincent. Tiens, regarde, Eric. T'as vu la neige ? Regarde. Tate. Tate. Ça fait froid, hein ? Ça fait froid. Mais à peine la porte franchie, ce que prévoyait Monique arrive. Le petit bonhomme éclate en sanglots. Dis. Maman. Éric, maman, elle pense à toi, tu sais. Maman, elle t'a pas laissé, elle pense à toi. C'est pour que tu sois soignée, que tu es là. Hein, tu veux ça, elle t'a expliqué, maman. Monique a beau le câliner, personne ne peut remplacer maman parfaite. C'est un grand voyage qui t'a fatiguée. Hein. Pour détourner sa peine, Monique lui propose un petit déjeuner. Tiens là. Viens voir, regarde. Tu vas dire ce que tu veux. C'est toi qui choisis, d'accord ? T'en veux pas ? On va laisser, je ne veux pas manger. Tu veux pas manger là ? Attends, laisse-le s'il n'a pas envie. Mais rien n'y fait. Exténué et déboussolé, il va se réfugier sur le tapis du salon. Viens tout à l'heure, oui. Non, bon, on te laisse un petit peu. On va laisser un petit peu. Je vais venir tout à l'heure tranquillement. On va laisser un petit peu. Mais ils ont beau être préparés, il est tout petit, savoir qu'est-ce qui va m'arriver, où je suis, est-ce que je suis abandonnée. Non, c'est terrible. Maman parfaite, elle est pas là. Mais au-delà de l'absence de maman, Éric est surtout fatigué par sa maladie. Monique et Vincent vont devoir faire très attention à son cœur. Dans son cas, un accident peut survenir à tout moment. Il faut quand même être prudent, je veux dire, avec la pathologie qu'ils ont. Hein. C'est pas juste une colère. Enfin, c'est des choses qui peuvent avoir d'autres conséquences. Sentir sa respiration qui allait aussi vite. Éric s'est calmé et il s'est endormi. Après une arrivée difficile, Monique va maintenant l'accompagner dans son périple médical. Une attention de tous les instants jusqu'à son opération. On fait la fête. On fait la fête. Qui veut faire la fête ? Ah, on est partant. Bon, venez. Maintenant. Chez Jeanne, l'ambiance est à la fête. Cette grand-mère de 66 ans adore faire plaisir à ses petits-enfants. Là, tu vas te mettre à compter de ton frère. Comme tous les samedis, bien, hein, elle leur a concocté un programme digne d'un anniversaire. Autour d'elle, Lana,
Nathanaël et Ethan. Ce sont les enfants de Bachir. Mais il y a aussi Lydie, Sarah et Charlène, les enfants de Nathalie. Et pour tous, Jeanne est aux petits soins. Tu veux le rouge ? Tiens. Six petits enfants, un samedi ordinaire pour cette grand-mère hors norme. Jeanne est en effet à la tête d'une famille très nombreuse. Un dixième, même pas, des petits enfants. Jeanne a eu 11 enfants qui lui ont donné pas moins de 18 petits enfants. Et l'un de ses plus beaux souvenirs, c'est quand elle a été enceinte à 35 ans, en même temps que sa fille Nathalie. J'ai été mamie en même temps que maman. J'ai accouché, elle a accouché. Donc je suis venue maman et mamie en même temps. Ça, c'est trop beau. À 2 mois d'intervalle. Une aventure qui n'est pas pour rien dans la relation privilégiée qu'elle a su créer avec ses petits-enfants. Tu veux un rouge, un bleu, qui veut un bleu ? Voilà. Waouh ! Montre ! Waouh ! C'est une mamie parfaite. Elle essaye toujours de nous faire plaisir. Quand elle vient à la maison, elle ramène toujours quelque chose pour nous. Enfin, tout le temps, elle pense à nous et toujours, elle est là quand on en a besoin. À chaque fois, on se presse d'aller chez elle et tout. Parce qu'on sait qu'il y a tout le temps une surprise qui nous attend. Surprise, fête, partage. Jeanne assume pleinement son rôle de grand-mère. Pour elle, le plus important, c'est de transmettre. Ce que je peux leur transmettre, c'est déjà un amour. Un amour de mamie. Donc c'est très sérieux ça, c'est l'amour, il faut montrer qu'on les aime. C'est toute ma vie, c'est quelque chose de magique. Voilà, j'ai trouvé le mot magique. Qui veut des bisous ? Si Jeanne s'occupe autant de ses petits-enfants, c'est parce qu'elle-même n'a jamais connu le bonheur de grandir en famille. J'ai été placée dans un orphelinat où j'en ai fait 11 ans. Donc, je n'ai pas connu mes parents. Je suis une fille de la DAS. C'était une enfance chaotique. Ma famille nombreuse, c'est une revanche sur ma vie que j'ai eue. Donc, une très, très belle revanche. Une belle revanche. Et pour Jeanne, beaucoup de reconnaissance de la part des petits-enfants. Ils ont pris l'habitude d'écrire des poèmes à leur grand-mère, des déclarations d'amour qu'elle garde précieusement dans cette pochette orange. Ma petite mamie, j'adore sa fribousse, surtout quand elle sourit. Elle est si jolie, ma petite mamie, et malgré l'âge, elle ne fait qu'embellir son image. Avec toi, la vie est belle, mon cœur que j'aime, inoubliable, une grand-mère comme toi. Aimable, belle et intelligente, je t'aime, mamie. Merci. C'est des super, super petits-enfants. Et que je les aime tous. Des super petits-enfants, Jeanne n'en a jamais assez. Chez elle, c'est un défilé permanent. Voici maintenant Léo. Salut Léo, un bisou. Dépêche-toi, vas-y, je te donne la main. Et Manon, accompagnée de leur maman Angélique, la plus jeune des enfants de Jeanne. Ça va ? Ça va bien ? Voilà. Hop là. Tu pourrais me faire un café, maman, s'il te plaît. Tu veux quoi comme café ? Si t'as un cappuccino, Un cappuccino, ok. Quand on s'occupe autant de ses petits-enfants, on a forcément moins de temps pour soi. Angélique en est presque peinée pour sa maman. Je trouve qu'elle passe déjà trop de temps avec nous. Elle est toujours en train de nous donner de son temps à nous, aux enfants. Mais finalement, elle, sa vie de femme, pour ce qu'il va lui rester à vivre, elle le fait pas, quoi. Moi, je la vois jamais sortir danser, par exemple. Je la vois jamais parler qu'elle a rencontré quelqu'un dans sa vie. La priorité de Jeanne, ça n'a jamais été son propre bonheur, mais celui de sa famille. Une famille qui ne cesse de s'agrandir. Cette nuit, il y a encore eu une naissance. Alors Jeanne fonce à la maternité. Voilà, on va se diriger à l'hôpital, voir mon arrière-petit-fils qui vient de naître il y a un jour. En effet, Jeanne est déjà arrière-grand-mère. Elle a même 7 arrière-petits-enfants. Mais à chaque nouvelle naissance, elle est toujours aussi émue. J'ai le cœur qui palpite. Je vois déjà que je vais l'embrasser. C'est un grand sourire. C'est un être de plus à choyer, à aimer, à dorloter. Et ce petit être, le voilà. Un garçon de 3,5 kg dans les bras de sa maman. Il s'appelle Ilan. Et voici le repapa, Brice, le petit-fils de Jeanne. Pour la maman, ouais, elle est occupée, la maman. Félicitations, Sarina. Merci.
Ça s'est bien passé? Oui, ça va. Ouais. Bah, t'es contente maintenant, hein? Ouais, voilà. Il est là, c'est essentiel. C'est essentiel. C'est... Qu'est-ce qu'il y a de plus beau, c'est ça, hein? C'est vrai. C'est ça qu'il y a de plus vrai et de plus beau. Et vient enfin le moment qu'attendait Jeanne depuis son arrivée à la maternité. Bienvenue, Ilan. Jeanne tient enfin son 8e arrière-petit-fils dans ses bras, tout un symbole. Ça, c'est l'avenir, c'est la continuité de la famille. Il m'a entendu quand je lui dis l'amour. Désormais, Jeanne n'a plus qu'un rêve, réunir toute sa famille autour d'elle pour le soir de Noël qui a lieu dans 15 jours. Un réveillon qu'elle veut inoubliable, mais pas facile quand on est aussi nombreux. Nous retrouvons Martine avec sa petite fille Adeline. Si elle n'a que deux petits-enfants, cette grand-mère leur consacre le plus clair de son temps. Aujourd'hui, pour Martine et Adeline, c'est shopping afin de trouver les nouvelles tenues de scène de leur spectacle. Un moment de complicité en perspective. Ça, ça te plaît, chérie? Ça doit être ta taille, on a vu 14 ans. La grand-mère conseille la petite fille. 14 ans, oui, c'est bon. Ça te plaît? Ça, ça brille, pour, c'est joli. Mais chose plus rare, les rôles s'inversent. Ben, viens voir, c'est ça que j'avais vu, moi. Je trouvais ça très joli. C'est au tour d'Adeline de conseiller ça, Martine. Beau, ça. Ça tombe bien, elles ont les mêmes goûts. Les paillettes, les strass. Elle a des goûts modernes ou elle a des goûts pas modernes même? Modernes. Alors, laquelle tu... Enfin, si tu... c'était pour toi, tu prendrais laquelle? Celle-ci ou celle-ci? Celle-ci. Celle-ci. Allez, on va aller jeter un œil. Hein. Profite que mamie soit là. 50 ans séparent Martine et Adeline. Et pourtant, on dirait deux copines qui passent en cabine d'essayage. Alors j'essaie dans la mesure du possible, on ne trouve pas toujours les mêmes tenues, mais dans la mesure du possible que ce soit dans les mêmes tons. Quelquefois j'ai la chance de pouvoir trouver, comme maintenant s'habille en small, donc je peux à peu près trouver les mêmes robes. Mais je veux aussi que ça se... Bah, je ne veux pas qu'on soit les sœurs jumelles, les demoiselles de Rochefort, comme la chanson. Une fille qui s'habille comme sa mère, c'est déjà difficile à imaginer. Alors une petite fille qui s'habille comme sa mamie. On va briller toutes les deux. Regarde chérie, regarde toi dans la classe. Mais Martine et Adeline sont tellement complices que pour elles, c'est naturel. Ah, oui, j'aime bien faire les courses avec elle parce qu'elle me donne ses... Enfin, bien sûr, on a une différence d'âge quand même assez importante. Mais elle me donne ses idées, elle me donne ses goûts. Mais on a quand même des goûts similaires parce que tout ce qui brille nous attire. Donc automatiquement... Quand je serai plus grande, je récupère tous les vêtements à paillettes. Ça. Les robes de spectacle, enfin, si elle fait ma taille, hein, tu garderas tout. Je te garderai tout. D'accord? Voilà, allez, on adopte ces deux tenues-là. Martine et Adeline repartent donc avec leur robe à paillettes assortie pour leur spectacle de demain. Mais à 58 ans, Martine n'est pas seulement une mamie gâteau folle de sa petite fille. C'est aussi une femme. Et parfois, elle s'accorde une soirée entre amis. Ça va? La petite, elle dit, bon, maman, on se maquille, on se lave, on se maquille, et après, on couche papa. T'as couché papa? Il était malade, papa? À la mode! Comme toujours avec Martine, il n'y a pas de bonne soirée sans chanson. Alors elle va prendre le micro. Mais ce soir, elle crée l'événement en se lançant dans un duo avec Laurent. Alors l'agitation, c'est que ce charmant jeune homme va chanter avec moi. Laurent répète avec elle depuis quelques temps. Autour de la table, certains s'amusent à insinuer qu'entre eux, il n'y a pas que l'amour de la musique. Martine préfère clarifier les choses. Là, je suis en train de lui mettre une pression terrible. J'aime bien mettre une pression aux hommes. Je vais vous expliquer pourquoi ce jeune homme est avec moi. Donc, il vient régulièrement, au moins une fois par semaine, chanter avec moi. Et il y a des mauvaises langues parmi nos amis qui pensent qu'il ne vient pas que pour travailler. Alors, je dis la vérité. Donc, étant donné que je veux faire taire les mauvaises langues, je voudrais juste vous faire écouter ce qu'on fait tous les deux. Donc, c'est bon, tu veux qu'on fasse un essai C'est notre jour de chance, espoir, l'ardeur, pour tout ce qu'il te faut, les bras, mon cœur, les épaules et mon dos. Je veux te voir, les étoiles dans les yeux, je veux nous voir, être miséreux. Allez, venez, et entrez dans la danse, allez, venez,
et entrer dans la danse. Elle a de l'énergie, il faut en avoir aussi quand on veut la suivre. Elle est très bonne vivante en fait. Donc elle aime bien sortir, elle aime bien s'amuser, vivre sa vie à 100 à l'heure. À 100 à l'heure et jusqu'au bout de la nuit. Après le karaoké, cette grand-mère incroyable met maintenant l'ambiance sur la piste de danse avec un autre charmant jeune homme. Et à 58 ans, Martine a une sacrée forme. Non, ça va, je ne vais pas essouffler. Non, c'est bon, je vais encore danser encore un moment. Je suis obligée de les booster parce que sinon les jeunes, ils ne bougent pas. Alors j'essaye de les entraîner, ma foi, ça suit par moment, mais ils fatiguent avant moi. Quand je dis que je les fatigue, c'est vrai. Ce soir, Martine sera la dernière à rentrer chez elle. Mais pour elle, pas de grasse matinée possible. Le lendemain matin, c'est dans ce foyer pour personnes handicapées que nous la retrouvons. Bon, allez. Est-ce que tu as été sage? Tu les mérites, les biscuits? Martine est aide-soignante. Un travail passionnant, mais surtout très prenant. Ici, elle ne pense pas à sa petite fille. Sans cesse accaparée par les pensionnaires, elle n'en a pas le temps. Merci. On revoit ça. Donc, tu mets ton pantalon. Voilà, on a tout préparé hier. Et ton pull-over. Tu ne le mets pas devant derrière. Hein, tu me... Oui, j'arrive. Voilà, et puis tes chaussures, tu as tout ce qu'il faut. Hein. Bon, ben, tu t'habilles. Il faut que tu... Non, tu t'es rasé ce matin et tout. C'est bon. Pour Martine, alors, c'est un véritable marathon. Tu peux rentrer? Oui. Bonne note de cravate, on pourra le... Une fois que tu l'auras mis, je te l'arrangerai. Comme ça. Allez, c'est fait. Ben, il est beau, mon nœud de cravate. Allez, impeccable. Après, je te l'ajusterai quand tu auras ta chemise, d'accord? Mais c'est vrai qu'ici, on est toujours sollicités. Ils ont quelque chose toujours à demander. Voilà, un nœud de cravate, une douche. Il faut qu'on sache un peu répondre à tout, quoi. Même faire les nœuds de cravate. Voilà. Bon. Martine a l'art de tout gérer en douceur. Voilà pourquoi, auprès des résidents, elle fait l'unanimité. Martine, pour moi, c'est une femme que je respecte bien. C'est une éducatrice que j'aime bien. Même pour son mari que je respecte bien, monsieur. Elle a un grand cœur ? Un grand cœur. Avoir un grand cœur, c'est la nature profonde de Martine. Aider les autres, un sacerdoce. Moi, en tant qu'aide-soignante, j'ai commencé, j'avais 16 ans. Et c'était une vocation, je ne me voyais pas faire autre chose. Moi, c'était soigner les gens, m'occuper des autres. J'ai toujours aimé faire ça. Pourquoi? Je ne peux pas expliquer, je ne me vois pas derrière un bureau. C'est pas que je ne me sentirais pas utile, parce qu'il faut des secrétaires, mais c'est pas ça. J'ai besoin du contact, j'ai besoin de discuter, j'ai besoin de rassurer les gens. Jamais j'ai eu envie de changer. Mais pour exercer ce métier difficile avec le sourire, Martine a besoin de se ressourcer en famille. Son travail à peine terminé, elle file retrouver Adeline, sa petite fille. Ensemble, elles se mettent au fourneau pour préparer le déjeuner. Allez chérie, il faut attaquer. Voilà, donc on fait venir du beurre, on met les échalotes dedans. Si Martine est une mamie moderne, elle aime aussi transmettre à sa petite fille des valeurs plus traditionnelles, comme le plaisir de cuisiner. Tu tiens toujours la casserole. Quand tu es là le vendredi, souvent le vendredi midi, selon ce qu'il y a à préparer, elle aime bien donner un coup de main. On mange toutes les deux. Mais aujourd'hui, autour de la table, ils seront sept, dont Stéphane, le fils de Martine. Dans le petit meuble rouge, là-bas. Mais Stéphane, aujourd'hui, c'est du bon rattrapé. Il paraît qu'il n'est pas bu. On est chez Ducasse, ici. Stéphane, c'est aussi le papa d'Adeline. Je te dis qu'il n'est pas bon à boire. Il a un nez de bouchon. Voilà, si je te le dis quand même. Martine a à peine le temps de terminer son plat. Bonjour. Que le reste de la famille débarque. Salut Michel, ça va ? Voici Michel, le gendre de Martine. Julie, sa fille. Et Cassandra, sa petite fille. J'aime bien faire câlin, mamie. Cassandra, c'est la petite dernière. Et Martine espère bien lui transmettre, elle aussi, sa passion de la chanson. Oh, les chaussures ! Ça y est, elle va pouvoir monter sur scène. Les voilà maintenant au complet. Une famille peu nombreuse, mais très soudée et bonne vivante. Mais là, ma mamie, elle se met en face de toi. Envoyez les soissons, les poulards et les oies farcies, la bourgeoise. Nous avons rudement faim de remplir nos croisades. Attention, Cassandra, parce que c'est brûlant, ma chérie. Pour Martine, une famille unie, c'est important. Tes parents. C'est pas heureusement. Merci.
Bon, bon appétit. Bon app. Bon app. Entourée de ceux qu'elle aime, Martine a tout pour être une mamie comblée. Pourtant, à peine assise, l'émotion l'envahit. J'ai la chance d'avoir deux enfants merveilleux. Une belle fille et un gendre pareil. Bon, il manque une personne aujourd'hui parce que je suis séparée. Il y a deux ans, après 30 ans de mariage, elle s'est séparée de son mari. Une rupture très douloureuse dont Martine a mis longtemps à se relever. Sa résurrection, elle la doit à sa petite fille Adeline qui l'a inscrite à un concours, celui de Super Mamie. Pour Martine, ce fut une révélation, car ce concours, elle l'a gagné. Ben, c'est moi qui lui ai dit de s'inscrire. Après, c'est inscrit, on y a pensé. Un jour, j'étais en Corse. Ouais, moi j'étais en vacances. Elle m'a appelé, elle m'a dit qu'on était sélectionnés pour les Super Mamie. Sur le moment, j'ai pas compris. Oui, et après, je m'en suis rappelée parce que ça faisait longtemps qu'on a. Alors, ça, c'est le départ de mon aventure. Ça, j'y tiens. C'est un très beau cadeau, un très beau souvenir que je garde pour mes petites filles plus tard. De cette expérience, Martine garde un grand souvenir. Ce qu'elle n'a jamais oublié, ce sont les mots d'encouragement de sa petite fille. Une vraie déclaration d'amour. Elle a dit de toute façon, si tu gagnes pas aujourd'hui, mamie, c'est pas grave, parce que pour moi, t'es déjà... Depuis cette élection, Martine a totalement changé de vie. Super Mamie est devenue une star locale, fait la une des journaux et passe à la radio. Pour ses enfants, c'est un juste retour des choses. On se dit, ouais, comme elle disait tout à l'heure, que ben, en fait, on peut avoir une vie, avoir une autre vie, construire complètement autre chose à 50 ans. Aujourd'hui, elle fait assez plus pour elle que pour les autres, quoi, parce que. Elle a peut-être effectivement la première moitié de sa vie beaucoup donnée. On la voit à la télé, on la voit sur les journaux, on la voit, on entend la radio. Ça fait plaisir, quoi. Maintenant, ça fait plaisir, et puis voilà, quoi. C'est un peu elle qui est en haut de l'affiche. Alors que bon, elle était plutôt, je dirais, derrière l'affiche, quoi. Et pour Martine, tout ça ne serait pas arrivé sans l'amour de ses proches. Sans toute cette troupe, je n'existerais pas. J'en ai assez pleuré tout le temps comme ça. Martine a du mal à cacher ses émotions. Pourtant, demain, c'est son énergie et sa joie de vivre qu'elle va devoir transmettre. Avec Adeline, sa petite fille, cette super mamie sera sur scène, face au public, pour chanter. Chez Mamiquet aussi, la famille, c'est important. Et le dimanche, son petit-fils Sacha a instauré un rituel. La famille invite des amis pour partager le repas. Alors on est combien ? On est 7. C'est bon ça, 7, non ? Attends, ben 6. Non, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les garçons ? En bas de table ? Bon, moi je propose que tu sois à la droite de la grand maternelle. D'accord, c'est un honneur. Voilà. À sa gauche. Également. Voilà. Grosse pression. Aujourd'hui, Frédérica n'a plus suffisamment d'énergie pour cuisiner lors de ce rendez-vous dominical. C'est Gabrielle, sa fille, qui a pris la relève. Donc là, il y a de l'oignon, il y a du paprika, le paprika de Hongrie, plus des poivrons. Pour Gabrielle, il a fallu composer avec la relation fusionnelle entre son fils et sa propre mère. C'est vrai que c'est très étonnant à quel point il est proche d'elle. J'ai l'impression que maman l'a complètement séduit. Il l'a mise sur un piédestal et quand il était petit, je lui disais « Oh maman, fais ceci ou fais cela. » »« Oh, ne me dis rien, je veux rien savoir, tu me dis rien sur elle. » Il fallait qu'elle soit parfaite. C'est quelquefois, c'était un peu agaçant qu'il la fasse une icône. Mais bon... C'est pas pareil que si c'était... C'est mon fils, donc c'est pas pareil. On est plus attendri que si c'était un frère ou une sœur. Ou... C'est pas du tout pareil. Mais ici, les valeurs familiales ont été plus fortes que les jalousies. Et les trois générations sont aujourd'hui très soudées. Pour Sacha, Frédérica a toujours été l'héroïne de sa vie. Alors forcément, pour ses amis proches, elle est aussi devenue la grand-mère de référence. J'ai malheureusement pas connu mes grands-parents. Et du coup, ça me fait
Ça me montre en fait tout ce que j'ai raté, tout le lien entre une grand-mère et son petit-fils. Mais ça me fait d'autant plus en fait ressentir le manque et le rôle et la place qu'a une grand-mère dans la vie. Et alors quand on les voit tous les deux, ensemble un peu dans l'intimité, et voilà, c'est un vrai spectacle. Enfin, on pourrait écrire des sketchs et les passer. C'est drôle, voilà. Non mais c'est une vraie grand-mère. Ma grand-mère, c'est une vraie grand-mère. Quelques jours plus tard, nous nous rendons à Lille dans l'atelier de Jeff Aérosol. Cet artiste est l'un des plus grands spécialistes français de l'art de rue. Pour diffuser encore plus largement l'image de Mamika, c'est lui que Sacha a sollicité pour réaliser un pochoir de sa super grand-mère. Une technique qui permet de reproduire des images en les peignant sur les murs grâce à des bombes de peinture. Mamika sur les murs de toutes les villes, Jeff n'a pas eu de mal à se laisser convaincre. Sa grand-mère, c'est notre grand-mère à tous. C'est la grand-mère qu'on a eue, ou qu'on n'a pas eue, ou qu'on aurait aimé avoir, ou qu'on aurait aimé ne pas avoir. Pour réaliser son pochoir, l'artiste s'est inspiré d'une photo de Mamika. La découpe, c'est la partie où on se vide le cerveau. Et là, c'est tout ce qui est gris que j'ai commencé à découper. Et le noir, la silhouette noire sera faite ensuite. Voilà. Jeff ne connaissait ni Mamika ni son petit-fils avant de se lancer. Mais l'artiste a très vite trouvé des ressemblances avec sa propre histoire. En découpant le portrait de Mamika, je pense à mes grands-mères. C'est justement une image comme ça qui fait remonter des souvenirs. Et quand les grands-mères ont disparu, on se dit « Ah, j'ai peut-être pas assez passé de temps avec elles, j'ai peut-être pas assez écouté. » C'est sur les murs de Paris que Jeff va peindre Mamika. Mais avant, ce matin, l'artiste doit rencontrer son modèle pour la première fois. Et c'est évidemment Sacha qui l'accueille dans l'appartement de sa désormais célèbre grand-mère. Ma grand-mère. Bonjour. Voilà. Alex, c'est mon assistant. Puis en fait, on s'est mis là. Là, c'est le monsieur dont je t'ai parlé. Bonjour. Oh, quand tu as dit tous les mots. Alors, je sais votre nom. Alors, c'est Jeff. Jeff est peintre et il va faire un portrait de toi. Et dès le premier regard, Jeff tombe lui aussi sous le charme de Mamika. Au milieu des étoiles, le maquillage de Mamika, il y a deux petites étincelles et je les retrouve là. Oui, j'ai trouvé très très gentil et sympathique ce qu'il disait. Mais le plus heureux, c'est encore Sacha. Avec ce nouveau projet, l'amour qu'il porte à sa grand-mère va maintenant s'afficher dans la rue. Voilà, c'est quel bonheur de pouvoir avoir un type comme lui qui puisse faire un portrait de ma grand-mère, qui est pour moi un des personnages les plus importants que je connaisse au monde, qui est en train de s'endormir là. Pas du tout, seulement tu en dis un peu trop, parce que le personnage le plus important au monde, c'est une énorme phrase. J'attends ici. Allez. Au revoir, Mamika. Est-ce que je peux vous faire la bise? Allez. C'est marrant parce que quand c'est des filles, tu dis pas la même chose, hein. Je partage pas ma grand-mère, sauf en peinture. C'est sur un mur du 16e arrondissement de Paris que les deux artistes ont jeté leur dévolu. 30 ans, quand je peins un pochoir pour la première fois, que j'ai passé des heures à le découper, etc. Au moment où je le retire, il y a toujours le « ça marche !» Ça marche tout le temps, ça, c'est incroyable. Pendant que Jeff commence à peindre, Sacha lui prend des photos du premier pochoir de Mamika. Son rêve serait qu'un jour, cette image de sa grand-mère se retrouve sur les murs de New York. On commence à dessiner les traits et puis après, là. En attendant, une demi-heure plus tard, Sacha découvre le résultat. Non seulement je trouve ça bien, mais c'est au-delà de ce que j'avais imaginé. Donc maintenant, ça va être mon travail à moi de faire en sorte que ce truc-là sur la photo finale,
ça soit aussi beau que là et que ça fonctionne bien. Ce pochoir, destiné à se multiplier sur nos murs, c'est la consécration de la très belle histoire de Sacha et Mamika. C'est une histoire d'amour, ce truc. Je pense qu'il y a plein de gens qui vont parler d'elle, qui vont avoir envie de la rencontrer, et je trouve ça sympathique. Voilà. Okay. Ouais, c'est bien, c'est top. C'est comment rendre sa grand-mère immortelle. Merci, Jeff. Voilà, enfin, il n'y a rien d'autre à dire. Merci. Mamika restera à jamais dans le cœur de Sacha. Si les grands-mères marquent l'existence de leurs petits-enfants, c'est qu'elles sont souvent le symbole de l'amour et du dévouement. Hôpital Necker à Paris. Nous retrouvons Monique, Vincent et le petit Eric venu du Congo à cause de sa maladie du cœur. Aujourd'hui, Monique l'accompagne pour une batterie d'examens médicaux. Ils vont déterminer si Eric est opérable ou pas. On a l'impression qu'effectivement, c'est pas forcément le nôtre et que... Bon, ça va, mais non, c'est quand même assez fatigant, assez éprouvant, nerveusement, un peu de stress. Ça démarre par une simple prise de sang, mais pour Eric, c'est déjà le drame. Bouleversée, Monique parvient à se contenir devant lui. Ça y est, Katia l'a fini. Cette prise de sang mouvementée a épuisé Eric, qui s'est endormi. Bravo, Loulou. T'es un grand garçon, c'est génial. C'est vraiment difficile, oui, non, c'est difficile. Bon, ils sont si petits et on ne peut pas leur expliquer. Je pense qu'il a dû déjà connaître aussi des choses un peu difficiles, des examens comme ça dans son pays. Donc effectivement, c'est quand même impressionnant, et ne serait-ce que la vue de son sang. Voilà, donc... Ça, c'est difficile pour tout le monde. Hein. Et à chaque fois, on a l'impression que le cœur bat toute vitesse et qu'il est proche du malaise. Hein. Monique est de plus en plus préoccupée par l'état de santé d'Eric. Voilà, merci beaucoup. Au revoir, à bientôt. Elle n'espère qu'une chose, que l'enfant soit opérable. Mais ça, seul un cardiologue peut le dire. Bonjour docteur, il est très beau. Très bel enfant. Bonjour. Comment allez-vous? Le professeur Sidi est cardiopédiatre et il fait aussi partie de la chaîne de l'espoir. Jugé inopérable au Congo, l'association a décidé de faire venir l'enfant à Paris pour tenter de le sauver. Allez Eric. Donc il vient du Congo-Brazzaville et suspecte d'après nos collègues congolais d'un tronc artériel commun. La maladie d'Eric s'appelle une tétralogie de Fallot. En fait, plusieurs malformations cardiaques entraînent une circulation anormale du sang. Résultat, il est mal oxygéné. Eric étouffe petit à petit. Allez, on le déshabille, là ? Il squatte, non ? Je sais pas, il est accroupi sur son lit le plus souvent. Voilà, il est accroupi. Pourquoi est-ce qu'il est accroupi ? Ça, c'est très très important, parce qu'il coupe ses résistances, il maintient sa pression artérielle, et si vous l'empêchez de squatter, il rentre en malaise. Pour Eric, il est vital d'être opéré. Mais est-ce possible? Seule une échographie du cœur peut le dire. Vous êtes prêts? Oui, on est prêts. Prêts à entendre? Et alors, plus ça va vite, mieux c'est. Voilà, donc ça se présente très très bien. C'est super. Chatouille. Non seulement Eric va pouvoir être sauvé, mais il pourrait même retrouver une vie normale si l'opération réussit. Si on n'a pas de poids, on va le guérir définitivement. Il n'y aura pas besoin qu'il soit surveillé, on ne va pas mettre de matériel étranger, il n'aura pas de tube, il n'aura pas de valve. Et il a eu de la chance, il n'a pas abîmé ses poumons, il n'a pas abîmé son cœur. Un vrai soulagement. Tous les ans, une centaine d'enfants est sauvée grâce à la chaîne de l'espoir. Une réussite qui serait impossible sans la présence de grand-mères au grand cœur, comme Monique. S'il était resté au Congo, vous pensez qu'il aurait... Ah, il serait mort. Il n'aurait pas atteint 10 ans. Si cet enfant-là il peut vivre maintenant, je trouve que c'est extraordinaire. Hein. Mais bon, nous, on ne fait que l'accueillir hein, et de le câliner. Voilà, monsieur. Voilà, mon petit prince. Hop là. Marcher, courir, jouer au ballon comme n'importe quel petit garçon, Eric va enfin pouvoir connaître tous ses plaisirs. Mais vu son état, il faut agir vite. Le chirurgien décide d'avancer la date de l'opération. Et donc, on voudrait l'opérer assez vite. Est-ce que tu peux le faire avant? D'accord. Mardi prochain. Merci. Bon, en tous les cas, merci ce que vous faites. Eh bien, merci beaucoup. Au revoir. Eric sera opéré dans une semaine. Alors, d'ici là,
Repos complet. Allez. Allez Eric, on va à la maison. Voilà, une journée un peu fatigante et une bonne soirée sereine. Quand Monique reviendra à l'hôpital, le petit garçon passera 6 heures sur la table d'opération. 6 heures qui scelleront définitivement son destin. Nous sommes le 24 décembre, et ici en Alsace, il n'y a pas de Noël sans neige. Nous retrouvons Jeanne, notre grand-mère de famille nombreuse. Cette année, elle a essayé de réunir toute sa famille pour le réveillon. Et l'événement la rend particulièrement joyeuse. Mais t'es beau, toi. Oh là là. Si mes petits-enfants ils verraient ça, qu'est-ce qu'ils s'amuseraient, hein? Ils regarderaient qu'est-ce que tu as dans ta botte. T'as quelque chose pour moi aussi? Oh, que t'es beau, va. Allez. Quand on a 26 petits et arrière-petits-enfants, on s'y prend longtemps à l'avance. Alors aujourd'hui, il ne lui reste plus que 2 cadeaux à faire. Est-ce qu'on va prendre un petit truc ou pas? Voilà, si j'étais milliardaire ou millionnaire, moi je sais pas, plein de sous, hop, les gens voient tous mes enfants là, servez-vous. Malheureusement, Jeanne n'est pas millionnaire. Alors pour les 2 cadeaux restants, elle va devoir surveiller son budget. 9,90. Bon. C'est pour Ethan. Ouais, pour Ethan. Voilà, qui peut tirer. Le cadeau d'Ethan rentre dans le budget de 10 euros par enfant qu'elle s'était fixé. Mais problème, l'une de ses petites filles a fait une commande bien spécifique au Père Noël. Oh, c'est pas donné, c'est 16 euros quand même. Hein. 16 euros. Donc, j'hésite. 16 euros, c'est trop pour son budget. Je vais regarder dans mon portefeuille, attends. Bon, est-ce que j'aurai ça? Pour lui offrir ça, est-ce que j'aurai ça? 15 euros, ouais. Donc, je vais quand même lui offrir. Ça, c'est pour moi. C'est, voilà. Je lui fais plaisir, Bon, c'est ça. Une fois encore, Jeanne a laissé parler son cœur et a fait passer ses petits-enfants avant elle. Alors, au rayon des vêtements pour femmes, elle sait qu'elle ne pourra pas s'acheter ses tenues à strass qui la font rêver. Je regarde tout. Je reste des fois 2 heures dans un magasin, rien que pour regarder. Hein, c'est 11 euros. Non, je reste sage. Ça aussi, c'est beau. Donc, tu fais un sacrifice pour moi et puis bon, et voilà. Un petit sacrifice pour un grand bonheur. Chez elle, Jeanne a déjà décoré son appartement en l'honneur de ses petits-enfants. Elle doit maintenant emballer les cadeaux de Noël. Et si pour certains c'est une corvée, pour elle, c'est que du plaisir. C'est une émotion très forte, là, quand je fais les paquets. C'est quelque chose que je n'ai jamais eu, petite. Hein. Qu'est-ce que j'aimerais être un enfant pour avoir tout ça, tout ça. Voilà. C'est bon, on va le mettre sous le sapin. L'ancien enfant de la DAS n'a jamais connu de Noël en famille. Alors pour ses petits-enfants, elle veut que tout soit parfait. Voilà. Le dernier. Voilà. Mais pour Jeanne, Noël, ce ne sont pas que des cadeaux et de la joie. C'est aussi un douloureux rituel. La vie de Jeanne est parsemée de drames. Bonjour, monsieur, dame. Quelque chose pour mettre à l'extérieur ou quelque oui, chose pour c'est pour mettre sur la tombe. C'est pour mettre sur la tombe. Voilà, ouais. Comme c'est aujourd'hui l'anniversaire, je me suis mariée un 24 décembre à 10h. Alors on pourrait peut-être. Hélas, le mari de Jeanne est décédé il y a 28 ans. Ce serait une bonne idée, ça. Hein. Tout à fait. Voilà, trop beau. Bon, trop beau. Depuis, chaque 24 décembre, Jeanne dépose des fleurs sur sa tombe. Je l'ai à pied. Avec lui, sont aussi enterrées 2 de ses filles qu'elle a perdues en bas âge. Bon anniversaire. Bon. Bizarrement, c'est ici que Jeanne puise son énergie et la force de se battre au quotidien. Ah
Alors là, il faut donner la joie pour les autres. Maintenant, ce n'est pas éternellement qu'on pleure. Quand on a encore des enfants et des petits-enfants, on leur donne la joie. Et maintenant, je suis contente, je suis heureuse. Il a reçu son bouquet et maintenant, c'est bien. De retour chez elle, Jeanne se fait belle pour accueillir sa grande famille. Même si tout le monde n'a pas pu venir, ils seront quand même 17 à fêter Noël. Pour l'occasion, elle leur a réservé une surprise. Les voir venir, déjà, c'est un souffle d'amour et de bonheur. Vous êtes impatiente, vous êtes... Ah oui, là, je suis un peu, non, pas stressée, mais vous voyez bien, je suis un peu impatiente, je veux dire ça. 20h, les premiers convives arrivent. En tête, Sabrina et Brice, les parents du nouveau-né, venus avec leurs autres enfants. Viennent ensuite les filles de Jeanne. Même si on attend encore du monde, la fête commence. Venez mes chéris, là. Hop. Ah, bah voilà, tu as plus de force que moi, enfin. Allez, on fait le premier. Jeanne porte un premier toast avec ses trois filles, Jamila, Nathalie et Yamina. Santé, on croise pas, tous les quatre, hop là. Pour Jeanne, c'est le début du marathon. Elle a à peine le temps de trinquer qu'elle doit déjà s'activer en cuisine. Au menu, c'est couscous. Quand on est nombreux, c'est bien pratique. En bonne grand-mère de famille nombreuse, Jeanne a déjà quasiment tout préparé la veille. Sans que ça dessèche. Donc en première étape, c'est ça. Deuxième, le couscous, il sera encore dedans. Il faut être organisé, sinon c'est foutu. C'est fermer la boutique. Hein, parce que là, après, on est désordonné, on est stressé. Et c'est quand on est une chose après l'autre, tout fonctionne bien comme maintenant. Malgré le stress de toute cette préparation, Jeanne trouve toujours le temps de s'occuper de ses petits-enfants. Une danse improvisée qui fait leur bonheur. Ouais, on va faire écouter cela. Elle a dû passer beaucoup de temps juste pour nous, en fait, pour faire quelque chose de joli pour nous. Et... Elle nous fait vivre des moments fabuleux. En fait, on veut tout le temps exprimer ce qu'on a dans le cœur. On est dit, oh mamie, t'es fabuleuse, mais ça c'est encore plus fort. À table. C'est maintenant l'heure de passer à table. À table. D'abord, les grands, ils s'installent. Et s'il y a de la place, c'est les petits. Hein. Les enfants, tout de suite. C'est bon, vous êtes à table? Et comment ça se fait qu'ils ont un truc? C'est la cohue, hein. Mais ça, c'est les grandes familles. Hein. Vous me laissez juste. Et c'est au bout de 15 minutes que Jeanne va finalement réussir à faire asseoir sa grande famille. Ah! Je veux dire, là, il n'y a pas tout le monde. Mais j'imagine que s'il devait y avoir tout le monde, il n'y aurait même pas de place dans l'appartement. On est trop. Je veux dire, le jour où elle n'est plus là, j'espère qu'on pourra justement continuer à avoir ce lien entre nous. Je pense. Ouais. Honnêtement, oui, parce que bon, je veux dire, c'est même plus que sûr, quoi. Si elle serait pas là, je veux dire, c'est pas qu'on se verrait pas, mais peut-être qu'on prendrait moins le temps et on serait pas comme on est maintenant, quoi. Heureusement qu'elle est là. Maintenant, une surprise. Je vais me déguiser en Père Noël ou en Mère Noël et distribuer les cadeaux. On y va. Je ferme la porte de salon. C'était ça le cadeau surprise de Jeanne. Et au salon, on ne se doute de rien. Je savais pas qu'elle jouait de l'harmonica, alors je me demandais d'où ça venait. Et quand j'ai regardé, j'ai vu que c'était elle. Bon, encore une fois de plus. Je suis étonnée par ce qu'elle fait, parce que bon, j'aurais plutôt pensé que c'était un faux sonneur. Et oui, j'étais étonnée par le calme, parce que depuis ce matin, c'est pas trop calme. Hein. On les entend du vert, oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, boule de neige, jour de l'an, et bonne année grand-mère. Joyeux Noël, tout petit. À toute la famille.
à toute la famille, enfants, petits-enfants. À la nombreuse famille que nous sommes. À la, la grande famille, la très grande famille. Et c'est pas fini. Santé, prospérité et plein de bonnes choses. Et amour. Et un peu de sous. Enfin, quand même. Et à mamie qu'elle reste longtemps vivante. Ouais. Je suis même très fière d'avoir une très belle famille, une grande famille. La famille, c'est l'amour au-delà de tout. C'est quelque chose de très fort qu'il ne faut jamais détruire, ce que je leur dis à mes enfants. C'est une forteresse. Jeanne a offert à sa famille un réveillon inoubliable. Un repas, des fous rires, des chansons. Voilà comment, jour après jour, cette mamie construit une forteresse d'amour pour tous ceux qui l'entourent. Retour en région parisienne. Il est 5 heures du matin. C'est aujourd'hui que le petit Eric se fait opérer. Un jour difficile pour Monique, qui va devoir traverser à ses côtés la terrible épreuve d'une opération à cœur ouvert. Ce matin, je suis stressée quand même, inquiète. Stressée, inquiète, parce que bon, c'est une très grosse opération quand même. Ça dure autour de 6 heures. Et oui, il y a l'inquiétude pour que tout se passe bien. Hein. C'est une opération de cœur, donc c'est-à-dire le cœur, c'est la vie. Hein. Coucou Eric. Tu sais qu'on va à l'hôpital ce matin, hein? D'accord? Tu sais que c'est aujourd'hui qu'on répare ton petit cœur, hein? Et après, hop, on rentre à la maison, on se repose un peu, et tu repars au Congo. Ils t'attendent au Congo, hein? Ça va être chouette. Tu vas revoir maman parfaite. Ouais. Kilo, kilo. Hein? Bah, t'es bien réveillée tout d'un coup. Ah bah à l'aéroport, là-bas, oui. Ils viendront te chercher. Oui, il est là-bas. Ils viendront te chercher. On leur téléphonerait avant. Hein? Tu veux? On va prendre Winnie? Il parle, voilà. Il plaisante, une métamorphose rendue possible par toute l'attention que lui porte Monique. Bisous, bisous Mamonie. Mamonie, c'est comme ça que l'appellent ses propres petits-enfants. Et maintenant, c'est comme ça que l'appelle Eric. C'est costaud. Tu mets ça dans le rack. Tu vas avec Papounet, voiture. Monique a réussi à devenir la grand-mère de cœur de ce petit bonhomme, comme Vincent est devenu Papounet. Noël est là-bas. Oui, il y en a partout des lumières, tu vois. Hein? On a déjà fait des commandes pour Papa Noël. Hein? Qu'est-ce que t'as commandé, Papa Noël? Hein? Des jouets. Regarde les belles lumières, regarde les étoiles, là. Ah, mais je sais pas si. Mais cette année, pour Eric, le plus beau des cadeaux sera sans doute la vie. Bonjour. J'amène un petit garçon qui doit être opéré. Je le dépose et je ressors tout de suite. Merci. Allez, on y va vite. On va te réparer. Hop. On va te guérir. Il y en a dans mes bras, puis Papounet, il va guérir la voiture. D'accord. 1, 2, 3. Oh là, t'es lourd. Si tout va bien, dans quelques jours, Eric pourra enfin marcher. Mais en attendant, c'est dans les bras de Monique qu'il arrive à l'hôpital. Oh non, 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 tu pleures pas là. Là, on ne fait pas de misère, là, maintenant, tout de suite. Tu laisses la soirée avec lui. D'accord. Eric a beau être en confiance dans les bras de Monique, il garde pourtant un très mauvais souvenir de son premier passage à l'hôpital. Regardez. Hein? Moi, je veux pas qu'on me pique. Mais non, moi, chérie, on pique pas. Non, mais on a fait l'autre fois la petite lumière, ça fait pas mal, mon chéri. Non, ça pique pas la petite lumière. Hein? Ça pique pas, regarde. En fait, moi, me soigner le... ici, là. Mais oui, on va te soigner là, ton petit cœur. Hein, c'est tout ce qu'on va faire. On va aller à la maison. Non, Eric, pas tout de suite à la maison. Tu sais que le docteur, avant, il répare ton petit cœur. Hein? Et à la maison, c'est après, pas tout de suite. Eric, tu t'assieds ou tu t'allonges? Regarde, mets-toi ça. Le petit garçon est maintenant fin prêt pour l'opération. Il ne reste plus qu'à l'endormir. Eric, c'est pas mieux si t'es allongé pour regarder les dessins? Le problème, c'est qu'il va refuser d'avaler son somnifère. Non. Tiens, je vais te donner le petit médicament avec le sucre. D'accord, Eric? Génial, regarde. Tu le prends tout seul ou c'est moi qui te le donne? Il y a du sucre avec. Oh, bah si, c'est bon, c'est bon. Allez. Pour t'aider un petit peu. Allez. Ça va t'aider à te dormir. Si, oh, ça fait pas mal, ça. Regarde. Hein? Un petit peu, pas trop, pas trop. Il va falloir toute la gentillesse et l'expérience de l'infirmière pour qu'il avale enfin son médicament.
le dernier et après j'arrête. Allez, on le boit. Allez. Voilà. Ah bah sinon, c'est très bien. Oh, parfait. C'est très bien, regarde. Parfait, c'est tout fini. Au bout de combien de temps, là, ça endort un peu? Si c'est salé au bout de 10 minutes. Oui. Malheureusement, ça ne va pas avoir l'effet escompté. Bah oui, faut faire dedans, là. Quoi? Ils sont partis la force. Mon doigt comme ça. Ouais. Après, il brûle avec le pouvoir. 10 minutes plus tard, Eric est plus réveillé que jamais. Il est surexcité, hein, je ne sais pas pourquoi. Et ben, il est l'effet. Ah oui, c'est ça, oui, c'est ce que je pensais. Hein. Oui, oui, c'est comme ce parfois pensais, chez les enfants, le somnifère s'est transformé en excitant. Ah oui, c'est ça, il fait la force. Il m'a dit qu'il y avait une force. Là, et on va s'éclater, plaque. Oui, je pense. Hein. Ouais. Est-ce que vous pouvez le porter ou c'est oui. Vous qui le portons? Oui, oh, comme vous voulez, hein, mais oui, je peux le porter. Allez, on y va. On y va, voilà. Allez, on prend Winnie. Au bout de ce couloir, la salle d'opération, à laquelle ni Monique ni son mari n'auront accès. Bonjour. Comment? Bah oui, et un bisou. Un allez. Bisou à Mamonie. Voilà. Et Mamonie vient te voir après, une fois que le docteur a réparé le petit cœur. D'accord, et Papounet. Ouais, on t'attend là, on vient te chercher après. D'accord. C'est là qu'il faut se dire au revoir. Pour ses grands-parents de cœur, c'est un déchirement. Allez. Je croyais que j'allais plus loin d'ailleurs. Et donc on m'a dit non, non, faites-lui un petit bisou. Je croyais qu'on allait jusqu'à la salle d'opération. Et en réalité, il y a une espèce de grand couloir immense, tout froid. Là, et effectivement, on l'a vu partir dans le lointain. Et ça, c'est effectivement, ça serre un peu le cœur. Au bloc, l'équipe médicale commence à préparer l'enfant. Pour Monique et Vincent, c'est le début d'une interminable journée d'angoisse. Là, on est angoissé parce qu'on est responsable de cet enfant. On voit qu'il est tout fragile et donc c'est vraiment très fort. Hein. Il y a chaque fois ce risque que le cœur ne redémarre pas. Donc bon, même si tout se passe bien, toujours un moment d'inquiétude, d'angoisse même, de savoir si tout ce qu'on a fait, ça va bien se remettre en route et que la vie va reprendre. L'opération va durer 6 heures. Si tout va bien, ce soir, Eric sera guéri. Sur la Côte d'Azur, les enjeux sont différents, mais c'est aussi un grand jour pour Martine et Adeline. Bonjour. C'est maman qui t'a amené? Ouais. Dans quelques heures, la grand-mère et sa petite-fille chanteuse seront sur scène. Alors, t'es prête, chérie? Ouais. Viens n'oublier dans ton sac, ta petite tes affaires. Ouais. Bon, on va vérifier tout ça. Allez. C'est ça? Tu mets ça dedans? Comme ça? Dessus? Ouais. Et on voit ton short quand même? Ouais, mais je le vois pas, c'est pas grave. Oui, c'est vrai que tu m'as dit que ça faisait vieux de mettre les trucs dans les... Ouais. Ça se faisait pas, c'était pas la mode. Moi, j'ai deux tenues et elle en a... Une, deux, trois, quatre, cinq... Ah, mais elle est vraiment dans le spectacle, dans le show jusqu'au bout. Tout est au point. Il ne reste plus qu'à se maquiller. Comme tous les artistes, pour elle, c'est un rituel avant chaque spectacle. Et... Là, la couleur pour mettre sur les paupières. Attends, ferme-la, c'est ici. Tout est là-dedans. Là, il y a des couleurs partout. Regarde, qu'est-ce que tu veux mettre? La coquetterie, une histoire de famille. Et tu veux pas ce rose-là? Non, je préfère le violet. Oui, mais celui-là, il est très foncé. Hein. Ah. Alors, je veux pas non plus que tu en aies. Oui, oui. Apprendre à Adeline à se maquiller semble très naturel pour Martine. Mais si elle accepte de prêter son mascara à sa petite-fille de 10 ans, c'est uniquement pour le show. Parce que dès qu'elle a commencé à faire de la scène avec moi, on lui mettait, enfin, pas, on la maquillait pas comme ça, mais un petit peu de rose sur les joues. Après, on lui a mis des paillettes. Après, en me voyant les maquiller, des fois, j'ai pris le maquillage de maman, je me faisais n'importe quoi. Non, tu l'as bien mis, ferme voir les yeux. Wow. Je l'ai mis les yeux ouverts. C'est bien, c'est bien. Les deux artistes n'ont maintenant plus qu'à charger la voiture. Car elles doivent elles-mêmes transporter tout leur matériel, leurs dizaines de costumes, mais aussi la sono. Là, c'est la partie la moins plaisante. C'est que ça fait quand même pas mal. Ça. Déjà, on dépense de l'énergie. Là c'est là. Un travail à part entière, car il y a plus de 40 kilos de matériel à charger. Oui, et cela pour chaque concert. Merci, ma poule. Voilà. Sur la route,
Martine en profite pour faire ses dernières recommandations avant le spectacle. C'est Salma, t'es pas spécialement obligée de danser. Enfin, si tu vas danser autour de moi, mais tu peux aller auprès d'eux, comme ça ils te verront encore plus près. C'est dans la maison de retraite de cet hôpital qu'elles vont se produire. Les résidents sont déjà tous installés. Le spectacle est prévu depuis des semaines. La présence d'Adeline suscite beaucoup de curiosité. Ah, vous allez voir ce qu'elle va faire. Vous allez entendre et voir. Ce n'est peut-être pas le zénith, mais pour Martine et Adeline, l'important n'est pas là. Ce que j'aime voir, c'est les personnes qui sont dans un fauteuil roulant. Au bout d'un moment, au bout de quelques chansons, je commence à voir un pied qui tape, une main qui tape sur la cuisse. Et je vois même des fois ces personnes-là commencer à chanter. Le but, moi, c'est de les rendre heureux. Et je vois que ça, je réussis à faire ça. Donc, c'est le plus important pour moi, quoi, c'est de les rendre heureux. Adeline, oui, elle a compris ça, hein chérie. On est là pour quoi quand on va dans les maisons de retraite? On est venu pour quoi? Pour leur faire plaisir. Pour leur faire plaisir, les faire chanter, les faire sourire et les rendre heureux. Je vais me changer. Ah oui, va te changer, chérie. Là, vous êtes en train de la déranger, je suis désolée. Mais il y a des choses à respecter, donc... Il faut dire que les deux artistes ont à peine quelques minutes pour revêtir leurs habits de lumière. Et apparemment, leurs nouvelles robes ont du succès. Dans les couloirs, on m'a dit que j'étais belle. Je leur ai répondu que c'était la nouvelle tenue des infirmières. Ils ont fait « Waouh !» À quelques minutes de l'entrée sur scène, Martine reste détendue. De son côté, Adeline ne tient plus en place. J'ai trop envie de chanter et danser. Voilà. Elle sera plus calme à la fin de... Elle aura dépensé toute cette énergie là qui est en train de bouillir et c'est un peu sa manière à elle de... C'est peut-être une sorte de trac, mais ça va aller une fois qu'elle va être partie avec son micro à la main, là c'est bon. Hein chérie? Ça devrait marcher. À la fin, elle sera beaucoup plus calme. C'est le moment pour les artistes d'entrer en scène. C'est parti pour 2 heures de show. Vous êtes un public dynamique, je veux vous entendre chanter, je veux vous entendre danser. Pada, 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 la, la. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Installez-vous dans votre... Martine et Adeline vont enchaîner les grands classiques. Et progressivement, la magie opère. Quand on la danse les yeux dans les yeux, comme elle au monde, il n'y en a pas deux. C'est la java bleue. C'est un moment où on oublie, où on ne pense plus à nos malheurs. Voilà, on est un peu dans une fête. Et puis la petite, elle vaut de l'or. Et pour le clou du spectacle, une chanson chère à Martine. Celle avec laquelle elle a été sacrée super mamie. Costume années 30, un air qui replonge tous les pensionnaires dans leurs souvenirs de jeunesse. Un beau succès pour le duo. Je vois cette petite bonne femme là qui bouge, qui chante, qui danse. Je suis en admiration. Pour Martine, une nouvelle occasion d'être fière de sa petite fille. En musique. Je suis tellement fière de faire ça avec ma petite fille que je trouve tout à fait normal de la mettre en avant, quoi, parce qu'elle a été un peu la cerise sur le gâteau aujourd'hui, on va dire. Enfin, moi, je suis fière d'elle. Merci, ma poule. C'était très bien, ma chérie. Déjà d'autres spectacles attendent Martine et Adeline. Mais le plus important pour cette grand-mère et cette petite fille, c'est d'avoir su créer, au-delà de la scène, une rare complicité. À Fresnes, en région parisienne, c'est une après-midi particulière pour Monique. Pour la première fois, sont rassemblés plusieurs de ses petits-enfants. Victor, 9 ans. Pablo, 6 ans. Timéo, 3 ans. Paloma, 1 an. Et bien sûr, Eric. Sorti de l'hôpital il y a quelques jours, son cœur est désormais guéri. Très bien, monsieur. Du parfum? Oui. Attendez, faut me faire mon addition alors. Allez, aujourd'hui, Monique peut jouer à la marchande avec lui. Menacé de mort, il regorge désormais d'énergie. Une victoire pour cette femme qui a toujours pensé qu'une grand-mère était là pour transmettre la vie. Oui, bonjour, Max. Bonjour,
match. Cette vie qui leur est donnée par une opération. Et c'est pour eux une nouvelle naissance, un petit peu, qui fait qu'ils sont à nouveau comme tous les autres. À voir les petits-enfants de Monique jouer avec Eric comme des cousins, on se dit qu'elle a réussi à leur transmettre ses valeurs. Dis-moi, Timéo, t'aimes bien jouer avec Eric ou... Elle aime bien. Pourquoi? Parce qu'il est gentil. Je suis assez contente pour lui, pour qu'il soit guéri de sa maladie. Mais nous, grands-parents, on peut aussi maintenant, je crois, avoir ce rôle-là, de retransmettre aussi cet amour de la vie et du don aux autres, un peu, quand même, hein, je pense. On sait bien que il y a des situations injustes, etc., mais c'est un côté un peu théorique, un peu artificiel pour des enfants. Mais là, non, ils ont avec eux un petit bonhomme qui a été très malade et qui va être sauvé, qui vient des pays où on peut faire moins de choses et qui a besoin de venir ici pour ça. Enfin, c'est tout d'un coup extrêmement parlant de comprendre que le monde, effectivement, n'est pas très juste d'une part, mais et qu'on peut faire des choses pour essayer de le rendre un petit peu moins injuste et qu'eux aussi, ils y participent, quoi. Les garçons, on fait deux groupes. D'accord? Timéo et Eric, ils vont jouer un petit peu. Et vous, vous m'aidez à faire la cuisine. D'accord? On fait un atelier. Transmettre cuisine. Les grandes valeurs de la vie à ses petits-enfants, Monique sait aussi le faire au travers d'activités du quotidien. Attends, on met la farine pour Pablo. Comme la cuisine, par exemple. Cette fois, il y a des crêpes au menu. Voilà. Ces liens noués avec ses petits-enfants ont permis à Monique d'assumer son âge. Depuis, sa vie a pris un sens nouveau. Quand j'ai été grand-mère, donc pour la première fois, d'abord ça m'a fait un petit choc, disant oh là là, on change de génération, on change de catégorie. Je me suis dit, foutre, ça vieillit d'un coup. Et puis, après, pas du tout, je crois que c'est génial d'être grand-parent. Parce que, au contraire, je crois que c'est une espèce de façon de se rajeunir un peu. Et avec l'arrivée d'Éric, Monique a encore rajeuni. On va goûter les crêpes, Éric. Hein, on va goûter les crêpes, Éric. Première fois qu'il va manger des crêpes. Ah oui, on n'a pas eu l'occasion d'en faire. Avec lui, les moindres gestes du quotidien deviennent une aventure. Tu veux avec du sucre? On va essayer avec du sucre. Hein? Alors, tiens Pablo, tu prends du sucre? C'est bon, hein? C'est aussi bon que les chouquettes, ça, je pense. Ouais. Là, il me surprend de jour en jour. Hein. Il marche, il court, hier, il dansait sur de la musique, il descend les escaliers tout seul. Et là, il est debout depuis ce matin et... Bon, il n'a pas voulu faire de sieste, hein? Non. Il n'y en a plus beaucoup, hein? Demain, notre grand-mère va devoir se séparer d'Éric. Alors avant de se quitter, elle veut ajouter une photo de plus dans son album de famille épinglée sur le mur. Éric, on en met une ou on en met deux? Oui, on va choisir deux photos que tu veux mettre toi. Hein? On met celle-là? Oui. On a donné autant de temps, je pense, autant de tendresse que ce qu'on donne à nos petits-enfants, tout ce temps où il a été là. Hein? Donc effectivement, on l'a considéré tout à fait comme un de nos petits-enfants et on s'est occupé de lui avec la même tendresse. Ce soir, c'est la dernière nuit qu'Éric passera chez Mamouni. Demain, il rentre chez lui. Oh. Hop là. Hop là. Au revoir, Misty. Tu dis au revoir, Misty? Au revoir, Misty. Oh, regarde, caresse-la. Elle va être triste, Misty, que tu sois plus là pour courir derrière. Hein? Toi qui étais mignonne, Misty, hein? Et il n'y a pas que Misty qui va être triste. En retournant au Congo, Éric va laisser un vide dans la maison de Monique et Vincent. T'as Winnie? Qu'est-ce que tu vas faire en arrivant à Sibiti? Qu'est-ce que tu crois que tu vas faire? Je vais faire des dessins. Des dessins? Après avoir accueilli Éric comme son petit-fils, Monique prépare doucement le petit garçon à retrouver son pays et ses parents. Et peut-être que maman parfaite, elle a préparé un bon petit repas pour Éric. Oui. Ouais. Qu'est-ce que tu crois qu'elle va avoir préparé? Du riz. T'es chic, hein? Du riz de maman. Oh ben non, là, ce sera le riz de maman parfaite ce soir, hein? Oui. Encore meilleur, hein? Dans quelques heures, Éric va enfin retrouver sa maman parfaite. Dans la police. Hein? Et on ne vous a pas tout dit. Parfaite, c'est vraiment le prénom de la maman d'Éric. T'as vu ça? Je vais arriver à la maison, moi. Mais oui, tu vas arriver à la maison, mon chéri. Je dis, maman, je suis guérie. Ouais, génial. Arrivée à l'aéroport, c'est l'heure des adieux. Et Monique et Éric ont bien du mal à se quitter. Un bisou à Papouna Mamouni? Oui. Dans les bras? Tu fais un bisou?
1, 2, 3. 1, 2, 3. Bientôt, je vais venir. Je suis habitué, j'étais. Oui, bientôt, tu vas venir. Hein? Encore que. On va t'inviter. Il est fatigué. Oui, d'accord. Ça peut arriver aussi. Et on va téléphoner. Hein? Et on dira comment ça va, Eric. Ça va bien. Voilà. Ah oui, ça... Bisous, ma Mimi. Il y a une prochaine, peut-être, on ne sait jamais. C'est une prochaine, on ne sait jamais. Bon, bisous à Papounet. La main. On serre la main. Salut. Salut. Bon voyage, monsieur. Monique a les larmes aux yeux. Ce petit bonhomme, pour qui elle s'est fait tant de soucis, elle ne le reverra pas avant longtemps. Eric ? Oui, on s'est attaché à lui, puis bon, oui, c'est un petit passement au cœur, mais c'est une belle aventure qui se finit, et donc c'est bien. Voilà. En donnant à un enfant malade un peu de temps et beaucoup d'amour, cette héroïne du quotidien a permis de sauver une vie, celle d'Eric, 4 ans. Entre le petit garçon et la grand-mère est né un lien que ni les kilomètres ni le temps n'effaceront jamais.